suis persuadé que tout ce qui est arrivé dans le monde ces dernières années est totalement dirigé contre moi. Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les cheveux longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. La musique pop est devenue religieuse, et je n'aime que la musique populaire. Je vous ai suivi parce que j'avais envie de rester avec vous. Vous êtes très gentil, mais je ne peux pas. Je croyais que vous ne faisiez rien. Non, je ne fais rien, mais je vous ai dit, j'ai une vie bien remplie. Une femme me plaît, par exemple, parce qu'un homme que j'admire est amoureux d'elle. Quel plus grand hommage peut-on rendre à un homme que de lui prendre sa femme ? Depuis que je vous ai rencontré, je me suis fait des petits rêves érotiques avec vous. Et j'ai l'impression que vous ne devez pas être mal au lit. Ça dépend des jours et des opinions. Bah écoutez, s'il vous plaît, autant que ça, mais baisez-la, tiens, baisez-la pendant que je serai à Londres. Comment voulez-vous faire l'amour ? Tendrement ou violemment ? Chaque matin, chaque jour que nous ne passons pas ensemble est un jour que nous perdons. C'est un massacre, c'est un crime. J'ai envie de rebaiser avec vous. Pourquoi les femmes n'auraient-elles pas le droit de dire qu'elles ont envie de baiser avec un type ? Écoutez, mon vieux, je dois vous dire que vos amours commencent à m'emmerder. Je suis affreuse. Mais vous avez une façon d'être affreuse qui vous va très bien. Foutez-moi le camp ! Oust ! Je liquide ! Mon cœur est une fleur d'automne sans ça. Comme vous êtes beau, comme vous êtes con, comme je vous déteste. Je vous le donne.